Sur 2023, évidemment, nous serons attentifs aux projets qui valorisent l'excellence de l'Université de Montpellier, les formations, l'accueil des étudiants, la vie étudiante, le rayonnement international. Sur bien des projets, notamment ceux du CPER, du contrat de plan État-Région, il y a un financement de l'État, il y a un financement des collectivités et ensemble, nous sommes aux côtés des universitaires et de l'Université de Montpellier. La grande fierté pour Montpellier d'avoir l'Université de Montpellier qui, depuis plus de 8 siècles, incarne une grande tradition d'excellence et qui contribue au rayonnement de la ville, du territoire et qui dit aussi des choses dans les défis du monde, à la fois sur la transition écologique, naturellement, mais ce pacte multiséculaire entre la ville et le soutien à la recherche, à la science. Et donc plus que jamais, nous devons travailler ensemble pour créer ce lien entre la vie démocratique, nos concitoyens et la science. Et je sais que l'université y contribuera, tout comme toutes les démarches très prometteuses en termes de création d'emplois, si importantes pour beaucoup de familles. Et l'année 2022 a été marquée par un moment très fort, le lancement de MedValley, qui dit bien que l'université à Montpellier, elle est pleinement chez elle. Et moi, avec le président Auger, avec toutes les équipes, travaillons main dans la main pour aller de l'avant. C'est ici que l'avenir s'invente. Il était important qu'on puisse faire passer le message auprès de ceux qui nous financent, auprès de ceux qui travaillent avec nous au quotidien, nos partenaires, et également auprès des agents de l'université. Parce qu'il y en a qui sont en centrale, dans les UFR, des structures de recherche. Et donc, c'est présenter aussi une ligne de route et les projets phares cette année. Et je pense qu'ici, avec à peu près 1500 personnes réunies, ça permet d'avoir un dialogue direct, un échange direct avec ceux qui, au quotidien, font vivre l'université. À vous toutes et à vous tous, pour vous, pour vos proches, pour vos institutions aussi, une très bonne et une très belle année 2023. Merci.